Faites attention à la lune sanglante, les enfants. Grand-mère, arrête avec cette histoire. Non, je n'arrêterai pas ce soir, vous ne sortirez pas d'ici. Ça y est, c'est parti, Tilly. Grand-mère commence à perdre la tête. Je vous avertis, les enfants. Avoir une lune sanglante à Halloween est un signe qu'il ne faut pas ignorer. Après cette soirée, notre famille ne sera peut-être plus jamais la même. Ne vous approchez pas. Ce n'est que la serveuse du café d'à côté. Et vous savez que j'ai une vie en dehors du travail. Attendez, c'est une massue? Ouais. Ah, peu importe. Dites à Cricket qu'il a laissé cette abomination tout à l'heure au café. Dès que je le verrai, je me charge... Bon gars. Joyeux Halloween, Gloria. Gloria? Regarde ce que tu as fait, mon garçon. Maintenant, on a un corps sur les bras. Salut, Gloria. T'es prêt, petit frère? Aussi prêt que les bonbons sans sucré. Parfait. Big City, Halloween nous attend. Attention! Regardez les enfants, votre père est un bûcheron. Puisque grand-mère s'inquiète tellement pour ce soir, je me suis dit que je devrais me déguiser moi aussi et vous servir de chaperon. Oh, on a déjà tout prévu, tu sais, Rémi vient avec nous et il amène aussi Vasquez, son garde du corps. Salut, on est arrivé! Maître Rémi, permettez-moi de vous aider. Non, merci, je peux très bien descendre tout... Maître Rémi... Non, pas d'aide!